C'est aujourd'hui, vendredi 6 décembre, qu'était prévu le mariage entre le journaliste Ubeydillah Mchangama et Amina Ali, une jeune franco-comorienne venue de France pour cette occasion spéciale. Malgré le fait que Ubeydillah soit toujours en prison, le mariage religieux, Umbiza, a été maintenu. C'est donc en l'absence du Bwana Harous que l'union a été scellée. Les autres festivités du mariage ont quant à eux été annulées. Obeid était absent, mais ses amis journalistes l'ont bien représenté. Depuis qu'il a été arrêté, ses collègues ont montré une belle solidarité et n'ont ménagé aucun effort pour qu'il soit libéré. Ils ont même passé la nuit devant la prison de Moroni. Rappelons que Ubeydillah Mchangama n'a commis aucun crime. Il filmait une manifestation des femmes, comme de nombreuses personnes, sur la place de l'Indépendance. Les manifestantes ont été libérées, mais le journaliste qui couvrait l'événement est toujours en prison.